Une mascarade? Ouais. Une mascarade. Oh là là. Bah une mascarade pour moi c'est quand on m'invite à faire une interview surprise et que c'est dans les toilettes de Festinoche. Voilà. Un animal. Bah comme je le dis dans ma chanson On est bien, je serai un chat. Pourquoi un chat? Parce que je peux te dire le premier couplet. J'ai l'impression parfois d'être un chat. On me flatte. J'ai l'impression parfois d'être un chat, on me flatte, on me regarde et on fait plus attention à moi. J'écoute mais ne participe pas. On me flatte. Non, je sais plus. On la refait? T'es prêt? J'ai l'impression parfois d'être un chat. On me regarde, on me flatte et on fait plus attention à moi. J'écoute mais ne participe pas. On me regarde, on me caresse. Je fais le beau. Voilà. J'ai l'impression parfois d'être un chat. Voilà, premier couplet, ça suffit, hein. Suite. Si j'étais un dessin animé, je serais Kirikou. Parce que j'aime bien Kirikou et je le trouve cool, je le trouve heureux. Il a la joie de vivre. Il est hyper intelligent alors que c'est un petit. Et je le trouve cool. Si j'étais mon idéal féminin, alors pour le personnage, qu'est-ce que je pense que j'aime bien Brigitte Fontaine, même si elle est trash et rock'n'roll. Pour le physique, je pense que je peux parler de Mélanie Laurent parce que on en a beaucoup parlé en faisant l'album en se disant cette prise là elle est pour Mélanie Laurent et voilà, je crois qu'on aime bien dans le groupe. Si j'étais une fleur. Oh là là. Je serais un pissenlit. Parce que il y en a plein partout. Tu peux faire le con avec. C'est joyeux et c'est jaune. Voilà. Si j'étais un super. Si j'avais un super pouvoir. Bah, simplement voler comme. C'est pas très original, mais en même temps, j'aime bien bouger. J'utilise beaucoup, 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 beaucoup le train et je me dis que voler. Ça serait pratique quand même. Si j'étais une orange mécanique, ben ça serait super. Suivante. Si j'étais de l'asphalte, ben je pense que je me fendrais bien la gueule. J'espère être dans une rue où il y a beaucoup de gens qui passent. Comme dans ma chanson, peut-être dans une gare, où on voit beaucoup de gens, beaucoup de personnages différents, et on peut voir des scènes assez rigolotes, et ça doit être assez cool d'être un trottoir, oui. Si j'étais une ouverture, je serais une braguette. Parce que c'est marrant, c'est sexy, ça bouge tout le temps, vu que c'est sur un pantalon, sur les gens. Et je pense que ça se vend bien la gueule une braguette. Ton second rôle favori. Comme ça, à toute vitesse. Mon second rôle favori. Je pense que les musiciens, simplement les musiciens comme mes musiciens, sont pas forcément toujours au premier plan, mais moi quand je vais voir un chanteur, même qui est accompagné, bah, les seconds rôles qui sont derrière, bah, c'est souvent ce que je regarde le plus aussi. Lâche
toi ou lâche-moi. Au sens propre, lâche-toi, parce que les gens, surtout en Suisse, sont parfois trop réservés. Et bah, lâche-moi, c'est ma chanson Lâche-moi qui a toute son histoire. Donc voilà, mais je pense au sens propre, lâche-toi. Ska ou rock français? Alors tout. Peut-être. Moi je suis ouvert à tous les styles de musique. Après le ska, ben, j'ai commencé pour l'énergie. Et je pense que le rock garde un peu cette énergie là. C'est pour ça que j'aime ces styles où on peut bouger, on peut être rock'n'roll. Voilà. Arnaud ou Bertrand Cantat? Pour le personnage Arnaud, parce que encore cette semaine, je sais pourquoi vous avez mis ça, parce que cette semaine, en direct de Festineux, j'ai été dans les médias et j'ai dit « J'aime, comme dit Arnaud, être ouvert comme une vieille pute » et je me suis fait ramasser par la radio en question, qui m'a un peu engueulé. Et musicalement, peut-être Bertrand Cantat, parce qu'il m'a quand même beaucoup influencé, il m'a beaucoup accompagné. Voilà. Kitsch ou hype? Peut-être un peu pas trop des deux et un peu des deux quand même, parce que faut rester dans le coup. Bah, le kitsch c'est marrant quand même, on se rend plus la gueule avec le kitsch que le hype, donc plutôt le kitsch. Perruque ou casquette, c'est ça? Bah casquette, parce que j'aime bien les casquettes, c'est cool. Et bah, j'ai des cheveux encore, hein. Je suis jeune, j'ai pas besoin de perdre.